Bonjour les amis, j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Alors comme vous le savez, l'arrivée du numérique dans le monde de la photographie a changé pas mal de choses avec maintenant la possibilité plus facilement, plus simplement de pouvoir se lâcher sur la photographie avec une approche beaucoup plus créative. C'est vrai que le numérique nous a ouvert les portes de la créativité quasiment sans limite et c'est tant mieux. Par contre, malgré toute cette technologie, la possibilité de proposer assez facilement donc une approche créative de l'image à travers Lightroom, Photoshop et bien sûr tous les autres logiciels de développement créatif de l'image, malgré toute cette technologie, en tant que photographe, il nous faut, et ça c'est très important car je considère qu'il n'y a pas de belle création numérique sans une bonne prise de vue, il nous faut, et c'est très important, réussir deux belles prises de vue. Et c'est pour toutes ces raisons que dans le cadre de cette chaîne YouTube, je vous propose une galerie intitulée Les bases de la prise de vue que j'alimente régulièrement. Donc avec déjà pas mal de contenu. Et donc dans le cadre de cette galerie, je vous propose aujourd'hui d'aborder l'essentiel de la prise de vue, donc travail sur le terrain, qui est donc le triangle d'exposition. Alors je sais que beaucoup d'entre vous maîtrisent déjà bien donc ce savoir-faire, mais je sais, de par les échanges que j'ai avec beaucoup d'entre vous, que malgré que certains d'entre vous comprennent plus ou moins comment ça fonctionne, il y a quand même un manque d'information, puisque, encore une fois, la photographie, même si c'est une activité artistique, il y a une vraie base technique qu'il nous faut intégrer. Et c'est pour ça que je vous propose de découvrir ce premier volet d'une série que je vais enrichir dans les mois à venir, où nous allons axer donc l'apprentissage sur les bases de la photographie. Car en réalité, ça n'a pas changé depuis l'origine. C'est-à-dire que même en argentique ou en numérique, les fondamentaux restent les mêmes. Alors je lui propose le premier volet qui va nous permettre de mettre en relation le choix du verture de diaph par rapport à la profondeur de champ. Car c'est très important quand on est sur le terrain en fonction du sujet. Alors, est-ce qu'on est en portrait, en mariage ou en paysage? Le choix de l'ouverture de diaph va avoir une incidence directe sur la profondeur de champ, ce qui est donc très important. Ça fait partie de la base de la composition. Et donc, je propose aujourd'hui le premier volet. Par la suite, je vous proposerai d'aborder d'autres thèmes, donc des bases de la photographie. On parlera bien sûr aussi vitesse et sensibilité. Alors, avant de découvrir ce premier volet qui nous permet de découvrir la relation entre le choix d'ouverture de diaph par rapport à la profondeur de champ, sachez que ces vidéos sont des extraits de ma formation qui est toujours en ligne depuis de nombreuses années sur mon site de formateur. C'est parti! Alors, ce diaphragme se situe souvent entre deux architectures d'optique. Il a un premier rôle mécanique puisque c'est une composante mécanique qui est constituée de lamelles qui se croisent et qui permettent, en fonction du réglage appliqué, de réguler la quantité de lumière qui va donc traverser le bloc optique et impacter le capteur. Il a un rôle artistique puisque, en régulant cette quantité de lumière, il joue directement sur la profondeur de champ, qui est une composante artistique de votre composition. Dans la composition d'une photographie, vous avez la lumière qui est la matière première, mais vous avez la profondeur de champ et la composante qui est la partie qui permet de donner donc une dynamique à vos photographies. On va en parler par la suite, mais pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur ce fameux diaphragme. Cet élément mécanique, donc le diaphragme, fait partie de votre optique, de votre lentille. Il est situé toujours entre deux blocs de lentille avant, bloc de lentille arrière, et il a exactement le même rôle que l'iris de l'œil humain. Il est là pour gérer la quantité de lumière qui rentre dans le boîtier. Pour gérer cette quantité de lumière, on va tout simplement jouer sur le diamètre d'ouverture de l'iris. Alors, pour chaque diamètre d'ouverture de l'iris, lui correspond à un indice qui est toujours indiqué de la même façon. Ça commence par petit f, chias, et un numéro qui correspond donc à ce fameux indice. Pour chaque ouverture, lui correspond un indice. Alors attention, c'est pas parce qu'on a une focale d'ouverture de diaph de 8 qu'on a un diamètre d'ouverture d'iris de 8 mm ou de 8 cm. Ça n'a strictement rien à voir. Cet indice est issu d'une formule mathématique. Cet indice d'ouverture de diaph correspond à une échelle d'ouverture de diaph, et cette échelle d'ouverture de diaph correspond à votre objectif, puisque tous les objectifs n'ont pas la même capacité d'ouverture de diaph. Vous avez des objectifs à très haute luminosité qui ouvrent à 1,2, et vous avez par exemple les téléobjectifs, comme le 70-300 de chez Canon, qui montent jusqu'à 32, et vous avez même des téléobjectifs qui montent au-delà. Pour connaître l'indice d'ouverture maximum de votre diaphragme, il faut se référencer aux paramètres techniques de votre objectif. Donc là, j'ai deux exemples. J'ai le Canon 16-35 à 2,8. Donc 16-35 correspond à la distance focale la plus courte et la plus longue de votre objectif. Et le 2,8 correspond à l'ouverture maximale donc de votre diaphragme.
de 8, c'est la plus grosse ouverture, c'est-à-dire que l'iris est ouverte au maximum. Et vous avez donc des objectifs à très haute luminosité, comme le 50 mm focal fixe, qui lui peut ouvrir à 1.2. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans le maximum d'ouverture de diaph. Si on prend le 16-35 de 8, on a une ouverture de 2.8, donc ça veut dire que notre échelle d'ouverture de diaph commence à 2.8 et va jusqu'à 22. Donc voilà, en lisant ce paramètre technique sur votre optique, vous avez quasiment toutes les informations nécessaires en termes de distance focale et d'ouverture maximum de diaph. Concernant ces indices d'ouverture de diaph, comme d'habitude on aurait pu faire simple, mais on a préféré faire compliqué, c'est-à-dire que plus votre indicateur, votre indice d'ouverture de diaph qui est juste après le F Schlass, plus ce nombre est petit, plus l'iris est ouvert. Donc, et plus on remonte dans l'échelle, c'est-à-dire que de 1.4 à 2, de 8, 4, 5, 6, 8, etc., jusqu'à 22, non, en réalité, une focale 22, l'iris est quasiment fermée, et une focale 1.4, l'iris est totalement ouvert. Donc voilà, c'est inversement proportionnel à l'ouverture du diaphragme. Dans la pratique, et c'est intéressant de le savoir, dans votre échelle d'ouverture de diaph, vous avez des ouvertures références, c'est-à-dire que ces ouvertures de référence doublent la quantité de lumière. C'est-à-dire que si on prend une ouverture de 1.4, elle donnera deux fois plus de quantité de lumière qu'une focale de 2. Si on prend une focale de 2, elle donnera deux fois plus de lumière que la 2.8, et la 2.8 que la 4, etc. Donc ça, ce sont des ouvertures références qui doublent la quantité de lumière rentrant dans le boîtier. On peut donc se poser la question, pourquoi quand ma focale, mon indice d'ouverture de diaph est à 1.4, pourquoi mon iris est au maximum de son ouverture? Et pourquoi quand j'ai une focale d'ouverture de 22, pourquoi l'iris est quasiment fermé? Pourquoi ces indices-là ne correspondent pas au diamètre réel d'ouverture? Donc ça, c'est tout simplement dû à une formule mathématique. Donc, si vous avez une distance focale de 100 mm et que vous avez donc un diaph de 22, en réalité, votre iris est ouvert à 4,5 mm puisque vous faites 100 mm. Divisé par 4.5, le diamètre réel d'ouverture de l'iris, vous arrivez à focale 22. Et dans l'autre sens, pour avoir une focale d'ouverture de 1.4, en réalité, c'est parce que votre distance focale est toujours à 100 mm, mais vous avez une ouverture de diamètre d'ouverture d'iris de 70 mm. Donc 100 divisé par 70 mm, vous arrivez à 1.4. Plus votre indice d'ouverture de diaph est petit, plus votre iris est ouvert. Plus celui-ci est grand, plus votre iris sera fermé. Et ça, non seulement ça joue sur la quantité de lumière, donc je vous le rappelle, sur la quantité de lumière en rentrant dans le boîtier, mais ça joue surtout directement sur votre profondeur de champ. Et ça, on va en parler tout de suite. On vient donc de voir ensemble la partie mécanique, la partie physique et la partie fonctionnement donc du diaphragme, qui a un rôle très important au niveau de la prise de vue. Il a non seulement un rôle en termes de gestion de la quantité de lumière qui entre dans le boîtier, donc en jouant sur l'ouverture de l'iris, mais ça joue aussi et directement sur un paramètre beaucoup plus artistique de votre prise de vue, puisque c'est la gestion de la profondeur de champ. Cette gestion de profondeur de champ est tout aussi importante que la gestion de lumière de votre prise de vue, car un mauvais choix de profondeur de champ va modifier totalement donc le rendu artistique, le rendu global de votre prise de vue. Si vous faites du paysage urbain ou du paysage naturel, vous aurez plutôt tendance à aller vers des profondeurs de champ les plus profondes, les plus larges possibles, pour vous garantir un champ netté le plus profond possible. Si vous faites du mariage ou du portrait, vous allez certainement vouloir aller vers des profondeurs de champ beaucoup plus courtes pour isoler votre sujet. Cette profondeur de champ, comme pour la gestion de quantité de lumière qui rentre dans votre boîtier, est directement liée au diamètre d'ouverture de votre diaph. Plus votre indice d'ouverture est gros, plus votre diaph est fermé, plus votre profondeur de champ est large. Plus votre indice d'ouverture est petit, plus votre diamètre d'ouverture de diaph est gros, plus votre profondeur de champ est courte. Ça peut paraître comme ça très compliqué, mais on va aborder ensemble des exercices très précis qui nous permettront de mieux comprendre le fonctionnement. Avant de passer sur des exemples très précis, on va déjà avoir une approche technique pour bien définir cette profondeur de champ. Alors la définition de cette profondeur de champ, c'est la zone de netteté de votre prise de vue. Votre sujet, pour qu'il soit net en prise de vue, doit être obligatoirement compris dans cette profondeur de champ. S'il est en dehors de cette profondeur de champ, il sera flou. Cette profondeur de champ a donc une distance, a une profondeur, elle a un début, elle a une fin. Et cette répartition, elle est différente entre l'avant du sujet et l'arrière du sujet. Si vous prenez un sujet et que vous faites votre mise au point sur le sujet, donc qui est l'élément principal de votre composition, elle est répartie en tiers, donc un tiers avant, deux tiers arrière.
Cette répartition, on la voit parfaitement dans l'illustration que je vous présente, par rapport au sujet, par rapport donc à la mise au point, elle est bien de 1 tiers avant, 2 tiers arrière. Cette distance de profondeur de champ n'est pas figée, elle est proportionnelle à la distance de mise au point. La distance de mise au point, c'est la distance qui sépare le centre optique de votre boîtier du sujet. Plus votre sujet est éloigné de votre centre optique, plus votre profondeur de champ est grande. C'est-à-dire que si vous rapportez ça, cette échelle, à un paysage, donc à un panoramique de montagne, vous avez des profondeurs de champ exceptionnelles, puisque vous allez faire des visées, donc des mises au point, à l'infini. Et donc là, vous avez des profondeurs de champ qui peuvent atteindre des distances énormes. Plus vous rapprochez donc la mise au point du centre optique de votre boîtier, plus cette profondeur de champ sera restreinte. Donc après, il faut jouer donc avec cette fameuse ouverture de diaph pour pouvoir allonger ou réduire cette profondeur de champ. Pour illustrer et mieux comprendre cette profondeur de champ, je me suis amusé à faire des exercices en studio, donc j'ai récupéré mes petits Playmobil et j'ai installé le tout aligné devant mon optique. Donc j'ai fait ma mise au point, ma première mise au point, je l'ai faite sur le pirate avec une très grosse ouverture, qui est l'ouverture maximum de mon optique, qui est donc une ouverture de diaph à 1,4. On voit tout de suite la relation entre l'ouverture de diaph et la profondeur de champ. Là, j'ai la plus grosse ouverture de diaph, donc j'ai une profondeur de champ qui est très courte, puisqu'on voit tout de suite que le sujet, donc le pirate, il n'y a que lui qui est net, le reste est totalement flou. Ensuite, je me suis amusé à shooter mes personnages en utilisant différentes ouvertures de diaphragme. Donc je suis parti de la plus grosse ouverture de diaph qui est le 1,4, donc c'est la plus grosse ouverture de mon optique, et je suis monté sur l'échelle de diaph, donc je suis passé à 2, j'ai shooté à 2,8, à 4, à 5,6, et on voit tout de suite que plus je ferme le diamètre de mon diaph, donc plus l'indice de diaph est grand, plus ma profondeur de champ est longue. Et si je continue, donc je passe à 8, à 11, à 16 et 22, donc 22 correspond au diamètre le plus petit d'ouverture de mon diaphragme, et donc on voit bien qu'il y a une relation proportionnelle, on va dire, entre l'ouverture de diaph, donc le diamètre d'ouverture de mon diaphragme, et la profondeur de champ, puisque si on compare le 1,4 donc avec un diamètre d'ouverture maximal, on a une profondeur de champ très courte. Si on prend le 22, qui est un diamètre d'ouverture le plus petit de mon optique, on a une profondeur de champ très large, beaucoup plus large, puisque la quasi-totalité de mes personnages sont nets. Donc voilà la relation entre l'ouverture de diaph et la profondeur de champ. Plus mon ouverture de diaph, le diamètre d'ouverture de diaph est petit, plus ma profondeur de champ sera longue, plus mon ouverture de diaph, le diamètre d'ouverture de diaph est grand, plus ma profondeur de champ sera courte. Donc ça, c'est très important de comprendre ce système-là pour bien gérer donc cette profondeur de champ qui est un paramètre très important de la prise de vue. Avant de continuer sur la profondeur de champ, j'aimerais aborder avec vous un paramètre qui est relativement important de connaître. C'est que quand vous réalisez votre composition, que ce soit à travers le viseur ou en live view, donc sur l'écran direct sur votre boîtier, l'image restituée avant shoot n'est pas la réalité donc de la prise de vue. Puisque cette image est toujours basée sur la plus grosse des ouvertures de votre optique. Si on prend par exemple l'image qui est devant nous, là on a une ouverture 22 et pourtant on a un rendu qui correspond à l'ouverture 1,4. Si on passe de 1,4 à 22, il ne se passe strictement rien en termes de rendu. On a un rendu, donc un rendu profondeur de champ qui correspond à la plus grosse des ouvertures de votre optique. Cela veut dire que si je monte à 50 mm focal fixe 1,2, l'image qui est restituée donc sur l'écran, que ce soit en viseur ou en live view, correspond à cette ouverture de 1,2. Si vous montez une optique avec une ouverture maximale de 4, le rendu sera basé sur l'ouverture maximale de votre optique, donc une ouverture de diaph de 4. Pour résoudre ce problème, pour avoir une vraie approche du rendu de votre prise de vue, on peut utiliser donc le contrôleur de profondeur de champ, qui est un bouton qui est situé souvent sur la droite ou sur la gauche de l'optique en fonction des boîtiers, et ce bouton permet tout simplement, en appuyant dessus, d'avoir un rendu réel de votre prise de vue. Et quand vous appuyez dessus, vous remarquerez qu'il y a un petit bruit qui se produit dans l'optique qui correspond à l'ouverture du diaph, et donc en appuyant dessus, vous restituez, donc vous modifiez l'ouverture de diaph et l'image est restituée sur la réalité d'ouverture de diaph de votre prise de vue. Et quand vous shootez, donc vous avez réellement votre rendu final. C'est donc important de le savoir, donc de connaître ce paramètre, pour éviter de se poser des questions du genre « Comment se fait-il que mon rendu image ne correspond pas à mon visu-écran, donc à ce que je vois à travers soit de mon viseur ou de l'écran au dos de mon boîtier ?»
Par la suite, avec le feeling et la pratique, vous allez certainement pouvoir vous en passer, puisque à force de pratique, on finit par bien gérer sa profondeur de champ et on se pose plus trop la question. Après, si vous êtes en situation stabilisée de prise de vue sur trépied pour paysage, vous pouvez tout simplement faire un shoot de pré-réglage, vous shootez, vous regardez votre shoot et vous ajustez votre profondeur de champ. Donc voilà, c'est important de savoir ça. On revient donc sur la profondeur de champ et je me suis amusé aussi à réaliser un exercice pour mettre en relation et bien comprendre cette relation qu'il y a entre l'ouverture de l'iris de mon diaph et la distance, donc la largeur de profondeur de champ. Donc sur mon exercice, on commence par une prise de vue à 1,4, donc avec une mise au point faite sur le pirate. Et sur la droite, vous avez une représentation symbolique très simplifiée de cette profondeur de champ. Ce qui est en vert correspond à la zone rendue nette et ce qui est en rouge correspond donc au flou. La mise au point, donc le map a été fait sur le pirate, donc lui il est net et le reste est flou. Donc si on ferme l'iris de mon diaph, donc c'est-à-dire qu'on monte en indice d'ouverture, puisque plus l'indice d'ouverture de diaph est grand, plus l'iris est fermé, on voit bien donc la zone verte qui est sur la droite, elle s'élargit toujours dans la proportion, comme je vous ai dit précédemment, un tiers avant, deux tiers arrière, donc un tiers devant le pirate, deux tiers arrière. Et si on continue, donc on monte 11, 16, 22, pour arriver à une profondeur de champ qui couvre quasiment la totalité de ma composition, donc du plongeur jusqu'à la baigneuse. Et donc là, on voit bien la relation entre l'ouverture de diaph et la profondeur de champ. Si on inverse, on revient en arrière, ben on réduit non seulement la profondeur de champ, donc la zone de netteté, et on le voit bien sur le personnage pour quand on va revenir sur l'ouverture maximum de mon optique qui est 1,4, c'est bien le pirate qui est net. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon exemple, je pense, pour bien comprendre cette profondeur de champ et apprendre à la gérer et à composer donc sa photographie en fonction de cette profondeur de champ qui, je vous le rappelle, pour moi est aussi importante que la gestion de lumière de votre prise de vue. Un bon choix de profondeur de champ va certainement participer à l'idée donc créative, à l'ambiance créative que vous voulez donner à votre prise de vue. Vous allez certainement aller vers des profondeurs de champ très larges, très profondes, comme par exemple la prise de vue qu'on a devant nous de la Défense, où j'ai fait en sorte d'avoir une profondeur de champ la plus profonde possible pour me garantir un champ de netteté qui couvre quasiment ma composition. Par contre, dans du portrait ou du mariage, j'aurais peut-être tendance à aller vers des profondeurs de champ beaucoup plus courtes pour isoler le sujet et valoriser donc mon sujet dans sa composition générale. Donc voilà, la profondeur de champ reste quand même quelque chose de très important. Prenez votre temps, faites des essais, faites des tests, faites des pré-shoots et sélectionnez vraiment une profondeur de champ qui correspond à ce que vous voulez réellement réaliser sur votre prise de vue. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Alors pour certains d'entre vous, je pense que c'est une piqûre de rappel. Pour d'autres, c'est peut-être une découverte et c'est tant mieux. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas, commentez, likez, abonnez-vous à cette très bonne chaîne YouTube en activant donc la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car encore une fois, même si nous sommes à l'ère du numérique avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre travail de créatif, il nous faut en tant que photographe passer du terrain, réussir de bonnes prises de vue. Car il n'y a pas de belle création numérique sans de bonnes prises de vue. Allez, à bientôt les amis, bye bye.